Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic de Gathering et je vais ouvrir cette boîte de boosters d'extension, 30 boosters d'extension de l'édition Les Friches d'Eldraine, une édition sortie le 8 septembre donc 2023 et qui contient beaucoup beaucoup de super cartes. Cette édition contient des cartes normales, il y en a 236, mais il y a aussi des cartes extra et des cartes Enchanting Tales. Donc des cartes d'enchantement avec des rééditions de fou, des cartes très 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 cotées. Alors les amis, j'espère découvrir des trucs très sympas dans cette ouverture et puis vous en faire profiter en vidéo. Bien évidemment, alors il y a une carte premium garantie, une carte illustration, bien sûr, une art card dans chaque booster. Bien évidemment, dès que je peux, je vous proposerai une vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture. Comme ça, les amis, hop, je le mets là. Comme ça, je vous dirai tout si ça valait le coup ou pas. On est rentré dans des prix d'achat bon, qui reviennent un peu, pas à la normale, mais qui sont un peu plus raisonnables, autres que les commandeurs et Seigneur des Anneaux. Donc voilà, alors les boosters d'extension, hop, normalement, alors, on va les compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, on va faire des piles de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en fais une 10 là, 8 là, et là, 10, hop, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 boosters d'extension, donc c'est parti. Alors je vais essayer de répartir, peut-être l'enlever sur la petite carte, répartir les cartes de telle façon à ce qu'on se rende bien compte. Quand j'ai ouvert le bundle, en fait j'ai eu que des cartes Enchanting Tales, et donc j'ai peut-être eu une carte extra, mais en tout cas je vous dirai dans la vidéo d'analyse de stats. Et là, j'espère que je vais avoir des cartes intéressantes. Alors l'art card, pardon. Alors les art cards recherchées, ce sont les cartes signées, hein. Je vais la mettre ici. Ah bah ça commence bien avec un terrain textless. Ça commence très très bien. Ça c'est plutôt pas mal. Après qu'est-ce qu'on a ici? Descendre comme ça s'il y a des foils. Fracasser le serment en commune. Joyeux barde en commune. Je peux avoir des cartes The List aussi. Toutes les 4 boosters sage discrète commune. Avant-garde de Foudrekeld commune. Croc de Bourrasque hurlant. Belligérant du bal, Sandrilène trouble fête, coup de minuit, pardon, et la rare chanson de Totentanz. Hop. Oh, alors voilà, celle-là, avec ce logo-là, c'est une Enchanting Tales, fructification forcée. Il peut y avoir des cartes super cotées, et ensuite je vais la mettre ici. En faute, j'ai l'Utrin vivant, une carte foil classique, et un jeton. Je mets la folle ici. J'essayais de répartir pour que ça reste visible. En jetons, j'ai oiseau. Bon, les jetons, il va y en avoir un petit peu, mais... il y a combien de jetons? Ça, j'ai pas regardé combien il y a de jetons. Ça va être toujours la même chose. Je pense que ça va être toujours compliqué d'avoir tous les jetons. Allez, un autre booster. La hard card. Oh, un autre terrain textless, plein. Ils sont très très beaux. Sentier sucré. Cher poire araignée, retour des friches, envoûteuse de dents carriées, taverne de Bornemure. Je vous dirai aussi dans la vidéo de stats, bien sûr, d'analyse, le nombre de cartes différentes obtenues. Hein. Financier judicieux, 3 bols de gruau, et combien j'ai eu de cartes aussi en Enchanting Tales, combien de cartes extra, chasseur de pain d'épices. Je ne sais pas s'il y a des cartes extra dans les boosters d'extension, hein, par contre. Dueliste Flammecoeur, en rare. Obscur Tutelle. En peu commune, Enchanting Tales. Ok. En peu commune foil, cochon truffier intrépide. Et un autre jeton à l'aventure. Ok. Bon, deuxième booster. Alors, je ne dis pas que je vais avoir autant de chance que j'ai eu dans le bundle. Le bundle, ça a été assez incroyable. Avec la mythique, la mieux cotée de l'édition, à plus de 30 euros, hein, cette mythique. Mais je vous le dirai dans les analyses. Mais c'était une ouverture exceptionnelle. Alors, forêt. Ah non, version foil. Alors ces versions-là, bon ben je les ai déjà, hein, puisque dans le bundle, on a tous les terrains version foil. Lutrin vivant, je viens d'avoir la version foil. Catapulte indocile, coup de flamme frénétique. Neva poursuivie par les cauchemars. Oniro voleuse Fairy. Gâcheur de rêve. Escrime de Fairy. L'autre insaisissable en rare. Emprise du destin, un peu commune. Et un autre peu commune, Enchanting Tales étendue de l'utopie. Peu commune foil faucheur d'Ashiok. Et un jeton rat. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu grand chose. Alors après, les Enchanting Tales, je sais qu'il y a des trucs de fou en réalité, comme les tubes mystiques.
entre autres, mais il y a d'autres cartes assez incroyables. Saison de dédoublement aussi. Donc, ça va être... J'espérais en avoir. Allez, pleine. Casse-cou du wagonnet de mine. Célébrante accumulatrice. Frondeuse de brochette. Invité du grand bal. Habit de combat sur mesure. Greta pleine de dents cariées. Biscuit dur à cuire. Nuit de la vengeance des bonbons. Voyage extraordinaire en rare. Pour l'instant, aucune mythique. Manteau de dragon, un peu commune. Enchanting Tales. Et c'est vrai que je n'ai pas d'extra. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Sinistre recherche de Rowan en commune foil. Et une carte publicitaire où il n'y a pas d'informations. Pour l'instant, bah, les amis, c'est très pauvre. Alors, dans cette édition, à part quelques mythiques, c'est vrai, heureusement qu'il y a les cartes Enchanting Tales où il peut y avoir des cartes super cotées. Sinon, il n'y a pas grand chose en fait. Allez, hop, une hard card signée. La première. Bon. Ça, c'est plutôt pas mal. Les jetons, je vais les mettre en haut. Hop. Et la hard card signée, je vais la mettre ici. Allez, avec montagne, guide de Twinval, passer devant, pile ou face, souris de l'armurerie, la princesse s'échappe, cercueil de verre, interférence inquiétante, lièvre au bouclier de pollen, rare, sacre vampirique, mer envahissante. Alors, je sais absolument pas s'il y a des cartes qui sont cotées ou pas. Les cartes sont belles, hein. Par contre, en Shining Tail, elles sont très très belles. Mis en cage en commune foil. Et ah, une carte The List. Court of Grace. Alors, elles sont les cartes The List. Tous les 4 boosters, normalement. Là, il y en a eu un peu plus. Hein. J'en ai ouvert 5. Et c'est en version originale en anglais. Donc, celle-là, elle est qu'en anglais. Et donc, là, je ne sais pas. Court of Grace. Je ne sais pas si elle est cotée. Dernièrement, récemment, les cartes de liste que j'ai pu obtenir n'étaient pas très cotées, peut-être 3-4 euros maximum. Mais encore un an ou deux, j'ai réussi à en avoir qui étaient cotées à plus de 20 euros. Hein. Pleine en version textless. Stagiaire chasseuse de rats, meute de bornemure, vermine vorace. Lancée de rats, on se resserre, bienvenue à Dancarrier. Premier duel de Gadwick, lièvre au bouclier de pollen. 293, alors c'est une extra, il me semble. Ça serait la première rare extra, la 293. Alors j'ai pas fait gaffe, si... ah oui, j'en ai peut-être qui se sont mélangés dedans. Ah, j'ai un petit doute. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais y poser parce que j'ai un petit doute avec ce petit en peu commune, je sais pas. Est-ce que je serais passé au travers? Bon, elles ont quand même un dessin qui est assez reconnaissable. Non, j'en ai pas vu d'autres. Bon, et, bah, il me semble que c'est la première. Elle est au-delà de 266, donc 293. Je suppose que c'est une extra. Allez, hop. Une rare normale vaurienne charmante. Ok. Et un lien sanguin en... Oh. Ah, je sais pas s'il n'y a pas de la valeur. Une commune, une rare Enchanting Tales. Une peu commune foil. Greta plaide de Dancarrier. Et une carte publicitaire. Aucune importance. Bon, pour l'instant, c'est pas terrible, hein, les amis, hein, parce que c'est vrai que si je veux arriver à la rentabilité, l'achat, la valeur, je crois que c'est 100, autour de 130 euros. Allez, hop, une hard card. En tout cas, les cartes sont plutôt belles. Envoûteuse réductrice, marque de l'envoûteuse. Il faudra voir dans le temps les cotations si elles évoluent. Parents, protecteur, drapier enchanté, lanceur de sorts, éclabousseur, peu commune, Johan, apprenti, sorcier. Élémental de l'âtre, excouche le mage, maléfique en rare. Oh, deux rares dans. Familier de ronces. Ah oui, deux rares dans le même booster. Bon, plan naissant. Une commune femme même pas morte. Et une carte publicitaire. Bon, ok, il y a eu deux rares, mais c'est pas terrible. Toujours pas de mythique, hein, les amis. Alors que quand j'ai ouvert le bundle, j'en ai eu 3 en 8 boosters. Hein. Dont la mieux cotée de l'édition. La carte, elle est pas mal. Ah, un terrain textless en version foil. Et magnifique, hein. Franchement, vous voyez la qualité de la carte. Ça, c'est top. Je vais le mettre ici. On va mettre ce côté. Garde lancée, harcelé. Crescendo rongeur, chat de gouttière d'entrepôt, faucheur d'achioc, pris par les cauchemars, courtisan maudit, coma de nourriture, familier de ronces. C'est une rare extra, il me semble. Une deuxième, une mythique, vertu de courage en mythique. Eh ben, je crois que c'est la mythique que j'ai eue dans le bundle. Ok, bon, on va mettre une petite pochette plastique quand même, par principe, même si elle n'est pas très cotée. Vertu de courage, je crois que c'était quelques euros simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écaille renforcée en rare.
Et on a une commune foil, stagiaire chasseuse de rares. Ok. Et bête en jetons. Ok. Bon, rien de plus. Allez, on va mettre une petite pochette. C'est la première mythique, hein. Ah, c'est pas de bol d'en avoir une en double avec l'ouverture du bundle. Il me semble que c'est celle-là. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais. En tout cas, je verrai à la fin. Bon, c'est quand même la première. Allez, hop. Alors, la hard card. Un nouveau terrain Texless. Ils sont magnifiques, montagne, j'aime bien ce terrain-là. Visiteur maléfique, cauchemar sans espoir, garde optimiste, lignée bestiale, familier batifolant, salfort de la collectionneuse, cerf des tempêtes, un peu commune, troyant, courageux explorateur, rencontre sauvage en rare, emprise du destin, une rare foil duelliste, flamme cœur. C'est la première en version foil. Je vais décaler les boosters. Hop, hop, hop. On va faire comme ça. Et voilà. Et la première rare foil. Un jeton que j'ai déjà eu. Rien de spécial. Et dernier booster de la première pile de 10 boosters. Bon, après, c'est un peu tout mélangé quand je les ai ouverts. Hein. Quand j'ai ouvert la boîte, c'était parti un peu dans tous les sens. Avec la hardcard qui est magnifique. Allez, montagne. Retour triomphal. Incendier la tour. Envoûteuse vaniteuse. À l'assaut de la tige de haricot. Gond des archives, bottes dédaigneuses, géante 50, soirée entre féeries, en rare. Une autre rare, la rédemption du chasseur. Bon, après, c'est pas mal pour la collection. Saison de croissance, un peu commune. Ok. Corvolt et le noble voleur, un peu commune foil. Et, oh, une carte The List. C'est Crumbling Colossus, Magic 2012, un peu commune en incolore. Bon, ça peut être une belle surprise, hein. Allez, deuxième partie, deuxième tiers de cette boîte. Bon. Il y a certains boosters qui sont un peu plus compliqués. Ah ouh, déjà, une carte signée, une hard card signée, c'est la deuxième. Donc c'est plutôt pas mal. Deuxième sur cette ouverture. Bon. De toute façon, en moyenne, il y en a deux par boîte. Hein. Allez, île. Charognard creux. Embuscade bondissante. Pisteur de sorcières territoriales. Brut en pain d'épices. Berger voilé. Descente gracieuse, vigie du front de liane, devenir des brutes, plaisanterie de turlupin, en rare, une autre, l'inlay de vertu. Ah, oh, je crois qu'elle est pas mal celle-là. Oh, je crois qu'elle est, elle est plutôt pas mal celle-là. Bon, bon, ça j'ai hâte d'aller voir les cotations. Admirateur d'amanite en commune foil et un jeton nourriture. C'est là où éventuellement on peut avoir quelque chose. En termes de rentabilité, en termes d'extra, il n'y a pas grand-chose. Ça va être à voir dans la boîte de 38 boosters de draft. S'il y a des trucs sympas dedans ou s'il y a plus des cartes extra dedans. Allez, hard card qui est sympa. Pleine en version foil. Sauveuse des endormis. Cavalier cruel, cavalier verdoyant. Plaisantin crocheteur de serrure. Qu'est-ce qu'on a ici? Clique des fileuses. Griffon consciencieux. Vieux Volticroc. Empoisonneuse à bonbons. Ah, par contre, j'ai beaucoup de cartes différentes pour la collection. C'est pas blanc naissant, mais j'ai déjà eu. Et je crois que je l'ai eu dans le bundle aussi. Hein. Oh, Blood Moon. Oh, la mythique. Oh, je me demande si... Alors, celle-là, où je la mets en pochette plastique. Je sais pas. Je voudrais pas vous dire de bêtises, si elle est super cotée ou pas. Mais celle-là, je vais la mettre en pochette plastique. Je vais la mettre en bas. Qu'est-ce qu'on a? Botte dédaigneuse, un peu comme une foil. Et un jeton classique. Ok, alors Blood Moon, elle varie, hein. La cotation varie dans le temps, des fois ça montait à plusieurs dizaines d'euros, des fois, alors je sais pas où elle en est actuellement, et ça c'est un petit bijou je pense, mais je suis pas, faudrait pas vous dire de bêtises, en tout cas deuxième mythique de la boîte, mais celle-là c'est plutôt sympa, allez, hop. Pour ça, je vous donne rendez-vous dans les vidéos d'analyse dès que je peux. Je vais vous les enchaîner, les vidéos d'analyse et de stats, où je vous donnerai vraiment le nombre de cartes obtenues. Ça, c'est pas mal. Et puis, surtout, la valeur de tout ce que j'ai obtenu. Savoir si c'est toujours intéressant d'acheter ce type de produit. Allez, forêt. Même pas morte. Prisme prophétique. Murmure d'Ariette. La vanité de l'envoûteuse. Allégeance corrompue. Éclair Sainte-Pierre. Pomme de tentation d'Ariette. Confiseuse expérimentale. Le cul me faire, j'en ai pas eu celle-là. Justice karmique, ok.
Lueur fallacieuse en commune foil et peuple fée en jeton. Je l'avais pas eu non plus. Alors à part, je constate beaucoup que j'ai beaucoup de cartes différentes. J'ai pas tellement de cartes super cotées à mon avis, sauf ça va être à analyser ces cartes-là, hein, surtout là, celle-là, Blood Moon. Hein, mais bon. En plus, les enchantements, j'ai celle-là, mais pourquoi elle... Ah mais attention, hein, les amis. C'est la 77. Avec. Elle est en version originale, elle est en anglais. Alors que les autres sont en français. Alors là, je sais pas quoi dire. Ça va être à vérifier s'il n'y a pas autre chose derrière ça. Parce que celle-là, elle est qu'en version originale en anglais. Et pourquoi elle est en anglais et pourquoi elle n'est pas en français comme les autres. Bon, bah ça va être la surprise, les amis. Là, je ne sais pas quoi vous dire, mais la version est anglaise. Bon, un peu comme les cartes The List. Hein. Allez, la hard card. Terrain, Tesla, forêt. Hop. Passe-passe. Mise en cage. Vilaine des tumulus. Lueur fallacieuse. Chérée des profondeurs paralysantes. Sentinelle forgée de glace. Succomber au froid. Compteur pixie. Loutre insaisissable, en rare. Valeur chevaleresque en peu commune. Nouvelle peu commune folle au Bira, du lys révente et le jeton nourriture. Il y a beaucoup de communes et beaucoup de peu communes folles. Par contre, en folle, je suis pas tellement gâté. 77, je sais pas quoi vous dire là, les amis. Pourquoi elle est en version originale, cette Blood Moon, cette carte? Pourquoi elle n'est pas en français? Allez, nouvelle art card, sympa. Les cartes sont très très belles, pleines. Farfadette moqueuse, assassin aux lames d'art, à la cour des faces. Farfadette maîtresse entraveneuse. Entraveuse, Obira, bah là j'ai eu la version, là juste avant la version foil, dans le booster d'avant, ça c'est marrant ça, et la version normale. Bon. Drain d'ego, chancelier des comptes, plaisantin crocheteur de serrure, trois souris aveugles, j'avais pas eu, copie d'enchantement, hop, taverne de bornemur, un peu comme une foil à nouveau, et humain le jeton. Par contre les jetons, pour une fois, j'ai plein de jetons différents, trop difficile de les avoir. Et c'est vrai qu'avec les boosters d'extension, c'est pas là où on a la plus grosse majorité de la collection. Une nouvelle art card. Allez, il congelé sur place, garde du gel pont, héroïsme embrasé, avant-garde de Croc Rouge, Ciramon la rédemptrice, traitement royal, acolyte des sylves, aigrefin chargeur, troll féo des faunes, j'ai pas eu beaucoup des multicolores, étendue de l'utopie. En commune folle congelée sur place. Et oh, une autre carte de lys, Wolf Colors Horn. C'est du commandeur. Alors je sais plus quel commandeur, l'un des premiers, il me semble. Une rare commandeur. Alors là, ça peut être aléatoire. Ça peut rien valoir. Comme je sais qu'il y a des cartes commandeurs dans les premières éditions qui avaient une super cotation. Ça peut être une surprise, une belle surprise. Allez, on continue. En tout cas, c'est vrai que là, j'ai pas eu de carte aussi commandeur de la nouvelle édition. Oh, elle est belle, celle-là, de Hardcard. Pleine en version foil. Deuxième terrain, Texless Foil, que j'ai eu. Dégel, reine à toison de gel, lame de lumière de Kélan, grotte de cristal, plongée dans l'hiver, berger voilé, descente gracieuse, vigie du front de Léane, bénédiction de seigneur grouilleur, en rare, animosité partagée, incendie la tour, encore une commune foil, et rat en jeton. J'ai énormément en foil de cartes communes et peu communes. Je suis pas gâté sur le côté des foils, je suis pas très gâté pour l'instant. Et puis aussi mythique, j'ai qu'une mythique pour l'instant dans l'édition. D'habitude c'est 3 minimum, donc là ça va être à voir, allez. Pour l'instant c'est pas terrible, ça va être à voir avec cette fameuse carte. Peut-être que si c'est une super carte, il n'y a rien à côté. Anthrosité, chou à la crime, nourrir le chaudron, communion avec la nature, taverne de bornemur, financier judicieux, 3 bols de gruau, dragon décadent, la 287, donc c'est une extra, enfin au-delà de 260 je suppose, rencontre sauvage, rare, obscure tutelle, une commune folle, c'est les ventes accumulatrices, et le jeton nourriture, encore une commune folle. Alors par contre là, les amis, j'ai pas été. Alors les enchantements, j'ai pas vu d'enchantement foil pour l'instant. Je sais pas s'il y en a, je pense. Je suppose qu'il y en a. Alors là, sur ce côté-là, par contre, je sais pas, c'est bizarre. C'est assez bizarre. Il y en a peut-être très très peu. Charognard creux, embuscade bondissante,
Pisteur de sorcière territoriale, chasseur de pain d'épices, Greta plaid de dents carriées, biscuit dur à cuire, lui de la vengeance des bonbons. Alors il y a des cartes qui vont revenir, hein, forcément. J'aurais des doubles à chiot comme manipulatrice, maléfique. Une deuxième mythique. Celle-là, c'est une mythique noire. Hop, on va mettre une pochette plastique quand même, ça va être important. Je vais la mettre sous pochette plastique. Cimetière surpeuplé. En rare, ok. Une mythique découverte de congénère. Ou une autre mythique, et une peu comme une folle Sandrine la trouble faite. Et voilà, alors il me faut deux pochettes, les amis. Là, j'ai une autre mythique. Et vous voyez, celle-là, elle est bien en français, hein, découverte de congénère. En mythique, Enchanting Tales. On va la mettre là-dedans. Là, c'est là où ça va être la surprise ou pas. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout cette édition, c'est surtout les cartes autres, on va dire, Extra ou Enchanting Tales, qui peuvent faire vraiment la différence sur les cotations. Là, les mythiques de l'édition, à part la mythique que j'ai eue qui était cotée à plus de 30 euros, les autres, il ne me semble pas qu'il y ait des super super mythiques. Il y a beaucoup de mythiques en fait dans l'édition à moins de 10 euros, hein, tout simplement. Donc celle-là, je me fais pas d'idée. Oh, une arc carte signée. La troisième. La troisième, et je finis le deuxième tiers de cette boîte, hein, quand même. Hein. Avec Marais en Texless, Brut en pain d'épices, Sentier sucré, Chair peau araignée, on se resserre. Bienvenue à Dents carriées. Premier duel de Gatwick. Lanceur de sort, éclabousseur. Joanne, apprenti sorcier. La mère d'oie, loi, en rare. Manteau de dragon, un peu commune. Enchanting Tate, nourrir le dragon. Bon. Nourrir le chaudron. Ok, et oh, Dwarven Miner. Alors, c'est quoi ça? C'est Mirage, édition Mirage. Impossible de savoir, parce qu'à l'époque, dans ces anciennes éditions, donc c'est une carte The List, hein, je précise, il n'y avait pas de logo colorié pour les raretés, donc je ne sais pas si c'est une commune, peu commune ou rare. J'en sais rien si c'est une réédition. Ça va être la surprise. En tout cas, c'est une ancienne édition, donc il peut y avoir une belle surprise. Alors là, j'attaque le dernier tiers, les amis. Trois. Le dernier tiers, les 10 derniers boosters. Très peu. Alors, le bilan là, rapide, hein, c'est très peu de cartes extra, hein, quand même. C'est difficile de les avoir, les cartes extra. Ça va être l'énigme. En tout cas, ouais, j'ai hâte de faire l'analyse pour voir. Alors, forêt, bon, version foil, mais j'ai eu dans le bundle. Forge corail ondine. Faune court racine. Étendue sauvage en évolution. Élémental de l'âtre. Familier batifolant. Salfort de la collectionneuse. Cerf des tempêtes. Somnophage cruel. 286. Donc, à mon avis, c'est une rare extra. Tour tourmenté en terrain. Ah, j'en ai pas eu beaucoup. Soulèvement de Garruk. Ok. Saison de croissance. Ah, la première. Ah, voilà. Et ben, c'est la première Enchanting Tales foil. Alors, une première sur toute une boîte. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Et un carte jeton. Je la mets de côté, comme ça, ça nous permettra de voir à la fin combien il y en a eu. Pour l'instant, j'ai que 4 mythiques. 2 en enchantement et 2 en version de l'édition. J'ai eu 3 cartes signées aussi, les amis. Allez, hard card. Pleine. Admirateur d'Amanite. Instant de courage. Rage de sucre. Garde forest somnolent. Troyant courageux. Explorateur. À l'assaut de la tige de haricot. Dragon des archives. Botte dédaigneuse. Prodige ingénieux rare. Bombardement d'assaut, un peu commune. Une commune folle, malédiction du renard garou et élémental en jeton. Bon. Bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, les amis, là-dessus. Des fois on sait, hein, franchement on sait. Des fois c'est des super ouvertures, des fois c'est pas terrible. On le sait aussi, là je ne sais pas quoi penser. Ça va être la surprise parce qu'il y a beaucoup de cartes où j'ai une interrogation. Montagne, sauveuse des endormis, cavalier cruel, cavalier verdoyant, clique des fileuses. Les fonds consensueux, la princesse s'échappe, cercueil de verre, interférence inquiétante, empoisonneuse à bonbons, lignée d'éclair, alors une autre lignée d'éclair, là je sais pas du tout, deux lignées quand même, descente gracieuse en peu commune folle, et encore une carte The List, invasive surgerie, c'est quoi le serment des sentinelles il me semble, alors, une peu commune du serment des sentinelles, bon, je pense pas que ça vaille grand chose, oui, pour l'instant, ben ouais. En foil, les amis, j'ai pas eu grand-chose, j'ai une rare foil, c'est tout. Et puis une carte Enchanting Tales foil, c'est tout. Voilà.
Mais c'est pas des super cartes cotées en tout cas. Eldo, étude rapide. Bouchon de Johan, briser le sort. Gloire de l'Arconte, porteur de tourte vaillante. Par contre, en commune et peu commune, on a à peu près le même nombre. Hein. Recruteur d'Imodan, vétéran de Presserette, garde du corps renard garou. Saison de croissance. Ah bah, j'ai eu la version foil juste avant. Là, j'ai la version normale. Peu commune, chevalier des colombes. Et encore une carte The List Dig Up. Une rare. Avec. Alors, ça, c'est plus récent. La chauve-souris, c'était. Oh, zut. Ah, j'ai mangé le nom. Bon, bah, autant pour moi. C'est assez récent, mais je suis pas sûr que c'est une super cotation. Ok. Ah, il reste encore quelques boosters. Mais j'espère au moins avoir un peu plus en termes de mythique, en termes de. Bon, c'est pas. Je sais pas quoi penser. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça va être la surprise, l'analyse. Généalogiste de Croc-Rouge. En plus, il y a un grand nombre de cartes différentes. Malédiction du Renard-Garou, Renard-Garou féroce, Chevalier amoureux, Alchimiste aquatique, Rage monstrueuse, Ranger des terres frontalières, Chasseur bicéphale, Mythique vertu de loyauté, une mythique blanche. Bam. Une autre. Ça, c'est pas mal pour la collection. On va mettre de côté celle-là. Hop. Plan naissant. Ah, celle-là, je ne l'ai eu je ne sais pas combien de fois. Repose en paix, une rare. Oh, extra. Pardon, extra. Enchanting Tales, en version foil, repose en paix. Ça peut être intéressant. Et un jeton humain. Ok, alors je vais mettre la petite mythique sous la petite pochette plastique. Donc j'ai une deuxième carte. Alors voilà, dans une boîte de 30 boosters d'extension, j'en ai deux en version foil, Enchanting Tales. Alors elles sont dures à avoir. J'espère que les cotations vont suivre. Et puis après, je sais pas du tout. Voilà, je sais pas type de cotation. On a quand même pas mal des Enchanting Tales. Il y en a dans tous les boosters, une ou deux. Donc c'est ça qui est intéressant. Et par contre, des cartes extra, elles sont dures à avoir. Je sais pas s'il y en aura. Mais on verra dans les autres ouvertures, les boosters de draft peut-être. Ou le booster collector. Allez, il. Voleur bonnet rouge, géant avide, fauteur de troubles, frénésie du pisteur de sorcières, rubis traqueuse audacieuse, destructeur de pique-nique, archiviste elfe, vigueur primordiale en rare. Ok, hop, une autre rare, Linley d'abondance. Alors encore une Linley, j'ai eu toutes les Linley, je ne sais pas du tout les cotations. Ok, une mythique attaque furtive. Alors là, c'est quoi ce booster? Là, je reprends vite une petite pochette plastique. Là, c'est très important. Et puis, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Une foil, ah bah non, elle vaut rien, chaque gouttière d'entrepôt, et un jeton de nourriture. Donc, j'en suis à 3 mythiques en version Enchanting Tales. C'est pour vous dire. Donc, je ne sais pas du tout si elles valent grand-chose ou pas. Hein. Alors, la surprise. Mais je pense qu'en fait, je pense que les valeurs de ces ouvertures-là, c'est basé que là-dessus. Hein. Sur la fameuse Blood Moon. Pourquoi je l'ai en version originale? Peut-être qu'il a été édité qu'en version originale. Peut-être que c'est une erreur de fabrication à l'intérieur des boosters. Donc c'est parti. Ah bah c'est marrant parce que cette carte-là, je l'avais eue juste avant. Vigueur primordiale. Et là, elle est en version hard card, vous voyez. Et là, c'est la version Enchanting Tales. Donc ça, c'est pas mal du tout. Hop. Allez, marais. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas un textless. Transmettateur de ventresse. Cogneur Beuglard, gardien de la porte de Belluna, givre de tiges de haricots, champion d'Agatha, Corvolt et le noble voleur, épée allouée inhumaine, boucher de seigneur grouilleur, bivouac tourmenté, j'ai pas eu beaucoup de terrain, vertu intangible en peu commune, une autre compulsion en peu commune foil et en version Enchanting Tales et une jeton. Publicitaire, bon ok. Allez, il me reste 3 boosters les amis, et après je vous fais un petit récap de cette ouverture. C'est difficile de dire, en tout cas il y a deux très 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 belles cartes. Difficile de savoir comme ça de visu la valeur ou pas. J'ai pas noté quelque chose qui me parle. Allez hop. Parce que c'est vrai, comme étude ristique, saison des doublements, c'est des cartes à plusieurs dizaines d'euros. Après, je me suis peut-être un peu raté. C'est vrai qu'on ouvre tellement de cartes qu'après, il faut repérer. Sinistre recherche de Rowan, braver les friches, glouton de hameau, pomme croqueuse, Totentanz, joueur de flûte, ratier en lambeaux, envoûteuse des égouts, corrompu, souris grise coquine, fin. Ah, je ne l'ai pas vu celle-là encore, en rare. Oh, c'est donc des doublements. Doubling season, elle est en VO aussi. Oh, Enchanting Tales. Alors, voilà, c'est une fameuse Enchanting Tales qui peut être cotée, un petit peu cotée quand même, hein, au moins 20 euros minimum. Mais elle est en VO comme Blood Moon.
Ah, je ne sais pas pourquoi, il y en a certains en VO et d'autres non. Hop, jamais là. Chercheuse de grimoire tenace un peu comme une foil et un jeton. Alors là, c'est la surprise. C'est ces cartes Enchanting Tales en version en VO uniquement. Elles ont peut-être été éditées, alors peut-être pour ne pas faire baisser les cotations, j'en sais rien. Qu'en VO, alors là, je suis un peu étonné. Donc les amis, j'en ai au moins deux comme ça qui sont en VO. Blood Moon et Doubling Season. Alors là, oui, là, il y a de la valeur. Il y a de la valeur et j'ai hâte d'aller voir les cotations. Allez, il reste deux boosters. Deux boosters. Et puis bon, bah ça augmente. J'ai beaucoup plus. J'ai eu que trois mythiques de l'édition, finalement. Mais pas très. Pour moi, elles sont pas super importantes. On verra. Allez, montagne en jeton foil, en terrain foil, guide épouvantail, rôdeuse de foucre, Drekeld, traqueuse, traqueur de bêtes célestes. Chevalier des Colombes, Congrégation Méprise Sort, Lanterne Guidame, je les avais pas vus, c'est l'un des négociateurs des Hauts Faïs. Cavalerie Tremblune en mythique ou de l'édition. Voilà. J'en avais pas eu beaucoup. Hop, curiosité, bah, je l'ai eu en foil juste avant. Secousse d'impact. Ok. Et Guide Épouvantail. Alors par contre. Ah encore. Oui, bon bah ça c'est quoi? Sombreland, c'est une commune, Old Gastbark. En carte The List, Sombreland, il me semble. Bon, en commune, donc je pense pas qu'il vaille grand chose. Mais celle-là, par contre, je la mets. Cavalerie Tremblune, je la mets sous pochette plastique. C'est une quatrième mythique de l'édition, tout simplement. Hop. Et voilà, donc belle carte supplémentaire. Là, il me reste un booster. Après, je vous fais un petit bilan. Là, ça a pris de l'envergure. Avoir eu Doubling Season ici, franchement, ça pète. Je suis plutôt vraiment, je suis plutôt content là, on va dire. Oh, une arcade signée! Alors c'est bien la première fois que j'en ai quatre dans la même boîte. Ah, c'est étonnant. Montagne suivante d'Aubira, cache crachotage de sort, croissance titanesque, chercheur de grimoire tenace, froid cinglant, un peu comme une sanctuaire solitaire, un peu comme une mythique vertu de savoir. Ouf, hop, je mets le petit truc. Moi, je crois pas qu'elle soit tricotée. C'est une mythique extra, il me semble. Eh ben, une de plus. Je vais la mettre ici. Une rare féerie victime de la malédiction du sommeil. Étendue de l'utopie en peu commune. Bombardement d'assaut en peu commune. Et oh, oh les amis, en foil. Defense of the Heart en foil. Un enchantement mythique foil. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, ça a pris une ampleur, les amis. Un truc de fou. Je sais pas du tout, mais en tout cas c'est une mythique foil en version originale en anglais, alors, je suppose. Puis oiseau, alors attendez, ouh, on va mettre ça là. Si on suppose, les amis, que les versions en VO sont un peu mieux cotées et plus recherchées, je sais pas pourquoi, il y en a certaines en VO. Celle-là, elle est en VO et en foil. Oh, j'ai hâte d'aller voir les cotations, les amis. On va la protéger, celle-là. Puis celle-là aussi, hein. Donc le bilan, les amis, c'est une boîte assez bizarre. Dans l'édition, je le savais, de toute façon, il n'y a pas grand-chose de l'édition. Ça va être à voir. J'ai quand même eu 4 mythiques, les amis, dans cette boîte. J'ai pas eu grand-chose, j'ai eu juste une rare foil. Des cartes de liste, on va les voir quand même. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, mais c'est normal, c'est tous les 4 boosters. Des mythiques, j'en ai eu 4 dans l'édition. Cavalerie, Tremblune, Vertu de Loyauté, Ashiok, Manipulateur, Maléfique et Vertu de Courage. Donc 4 mythiques de l'édition. Ce qui concerne, on va commencer après les hop, les extras. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, dont une mythique, Vertu de Savoir. Donc ça fait une cinquième mythique, les amis, une cinquième mythique. Hop, je vais mettre comme ça. Après, on va aller voir là le record. Je crois que c'est la première fois que j'ai 4 hard cards signées. J'en ai jamais eu 4 dans une boîte. Deux terrains Texas Foil. Voilà. Et maintenant, toutes ces 4 Enchanting Tales. Alors, en mythique, j'en ai quand même eu un bon paquet. J'ai eu tout ça en mythique, les amis. 1, 2, 3, 4, 5 mythiques, dont une mythique foil, et 3 mythiques en version originale. Defense of the Heart, Doubling Season et Blood Moon. Donc ce qui fait, les amis, c'est que j'ai 10 mythiques dans cette boîte. C'est quand même plutôt pas mal. Et sur les versions foil, alors ça s'est un peu accéléré à la fin, j'ai eu 1, 2, 3, 4 cartes Enchanting Tales en version foil, une peu commune, deux peu communes, une rare et une mythique foil. C'est alors j'ai hâte d'aller voir les cotations, je ne sais absolument pas. Si, bah, Doubling Season, c'est une super carte. Blood Moon aussi, mais les autres, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Celle-là, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Découverte de congénères aussi, je ne sais pas. Et après, il y a énormément de cartes, les amis. Enchanting Tales.
Alors, je ne sais pas combien il y en a au total, mais vous voyez, ça veut dire qu'en 30 boosters, j'en ai eu au minimum 2 par booster presque. Alors, si on compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 cartes peu communes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Ça fait 34 plus toutes ces cartes mythiques, ça fait quasiment 40. 37, 38, 39, 40, 41, 42 cartes Enchanting Tales dans une boîte de 30 boosters d'extension. Donc voilà les amis, écoutez, je vais continuer mes ouvertures et puis après je vous ferai une vidéo d'analyse et de stats. J'ai hâte vraiment, vraiment, vraiment de faire l'analyse et les stats de cette ouverture qui me paraît un peu spéciale. Ça peut être bien comme pas bien, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des cartes qui sortent du lot. Et surtout, il y a des cartes Enchanting Tales en version originale. En VO. Ces trois-là, elles sont en VO. Toutes les autres sont en français. Pourquoi il y en a certains en VO? S'il y en a certains qui le savent, n'hésitez pas à mettre un message à cette vidéo. En tout cas, voilà les amis. Demain, je vous donne rendez-vous pour l'ouverture d'un booster collector de cette édition. Et les friches d'Eldraine. Et là, c'était une vidéo d'ouverture de 30 boosters d'extension. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, 30 boosters, hop. Une boîte entière. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.